Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, sur GTA 5 Xbox One. Le jeu était déjà super joli sur les anciennes générations et là ça dépasse ce qu'on peut espérer de ce jeu. Tout simplement, graphiquement c'est super joli, au niveau des éclairages, au niveau de tout en fait, c'est vraiment super joli. Bon, ceux qui ont vraiment torché la version 360 et PS3 vont se dire ouais ça change pas des masses, mais moi qui ai pas joué énormément, surtout au multi, enfin j'ai fini le solo et après j'ai lâché, je peux vous dire qu'au niveau des éclairages, du dynamisme qu'il y a dans les rues, au niveau des corps et tout, c'est super joli franchement. Vous sur la vidéo, ça va être compressé deux fois par YouTube et par moi-même, donc vous allez pas apprécier ça à 100%, mais ceux qui l'ont chez eux et tout ça vous confirmeront dans les commentaires que c'est super joli. Salut les négros, comment ça va? Moi ça va super. Vous voyez la vue à la première personne que j'utilise actuellement est super bien rendue, je trouve. Il y a pas mal de paramètres dans les options à régler pour avoir quelque chose d'optimal pour vous au niveau de la sensibilité, du champ de vision et tout. Ils ont tout pensé et ça c'est super cool. J'ai quand même hâte de voir la version PC pour voir comment ça donne en ultra, parce que vous savez très bien que sur PC il y a quelques petits ajouts par rapport aux versions console. C'est vrai que maintenant au niveau des consoles et du PC, il n'y a plus énormément de différence. Enfin en tout cas à l'œil nu tu les vois pas. Mais c'est vrai qu'après au niveau performance et tout, c'est clairement au-dessus au niveau PC. Mais franchement les consoles elles ont pas du tout à rougir, elles s'en sortent super bien. Hop, on va prendre une petite bagnole. Je vais rester en vue première personne et je vais surtout éteindre la radio parce que les droits d'auteur... Oh l'enculé, il m'a sorti de la caisse. Oh putain mon gars, tu vas pas t'en sortir. Enculé, qu'est-ce que t'as mon gars? Tu cherches la merde à un négro, tu connais pas les négros mon gars. Je t'ai défoncé. On va se casser. Je vais vite fait aller à vous savez, aux écriteaux Vinewood pour vous montrer la vue. Et en plus je pense que d'ici là la nuit sera tombée, donc ça sera super joli à regarder. Juste pour vous montrer vraiment graphiquement le summum de la chose. Donc si je fais cette petite vidéo pardon aujourd'hui, c'est tout simplement pour déjà vous montrer le jeu et puis vous en parler rapidement. Et surtout pour vous parler de 2-3 petites choses, pas hyper importantes, mais qui peuvent vous servir pour les gens qui m'apprécient du moins. Déjà les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Alors il y a Twitter, c'est super important, c'est là où je suis le plus actif. Donc si vous voulez vraiment interagir avec moi le plus, c'est là-bas qu'il faut aller. Après il y a mon profil Facebook. Et là il y a une activité aléatoire qui s'est mise. Ah c'est le mec en moto, bon on va le défoncer. Ah oui il y a une nouveauté aussi. On peut tirer, mais putain qu'est-ce que c'est chaud, mais je vais même pas le faire, je vais le faire à l'ancienne, on va lui foncer dedans, quoique si j'arrive à lui... oh putain, si j'arrive à lui tirer, à lui foncer dessus ça va le faire aussi. Oh putain j'ai sauté de ma bagnole sans faire exprès, ouh les ronds. Il est où ce fils de chien que je le défonce? Crève, enculé là. On va prendre le sac et on va le ramener à sa propriétaire. Hop, on va ranger l'arme surtout. On va prendre une bagnole ici, tiens, quand tant qu'à faire. Et du coup, ouais, Twitter, c'est là où je suis le plus actif, on va dire. Ah oh, bah du coup, c'est bon, je vais garder ça pour ma gueule. La musique. Rapidement, sinon on va se prendre des droits d'auteur à la con. Oula, il y a une bagnole de flic qui arrive droit dans ma gueule. Ouais bon on va aller se mettre à son d'ici là, on a qu'une étoile donc ça va être rapide. Donc ouais Twitter c'est là où je suis le plus actif, si vous voulez vraiment interagir avec moi le plus possible c'est là-bas qu'il faut me suivre. Donc allez faire un tour, et le profil Facebook aussi, autant que Twitter je dirais même. Mais Twitter je le vois sur mon téléphone tout le temps, H24 j'ai toutes les notifs et tout, donc franchement Twitter c'est le mieux, mais profil Facebook aussi. Donc c'est là où je mets des petites news, des petites infos, des exclus et tout. Et il y a la page Facebook aussi, là où je mets seulement les trucs super importants ou tout simplement mes vidéos, ou là où je les partage si vous voulez pas les louper du tout. Donc à vous de choisir, le mieux c'est de me suivre partout franchement. Mais voilà, à vous de choisir. Pour ceux qui aimeraient jouer avec moi, être au courant de quand je vais jouer, je vais essayer de me mettre à fond là-dessus. J'ai créé un groupe Facebook exprès, il y a une trentaine de personnes déjà dessus. Ce groupe Facebook me sert tout simplement à vous dire quand moi je vais jouer, et s'il y en a d'entre vous qui veulent me rejoindre, ben venir...
venir me l'écrire en statut et me dire votre pseudo. Et si vous m'avez déjà sur la console ou sur Steam, bah je vous invite tout simplement et on se fait des petites games ensemble, sachant que j'ai un TeamSpeak que Shubi me met à disposition pour pouvoir vous inviter, pour pouvoir parler ensemble. Et justement, pourquoi pas, comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, faire des vidéos ensemble sur un coup de tête, ça peut arriver, surtout sur GTA Online et sur Advanced Warfare Xbox One, ça peut arriver. Donc si vous voulez vraiment être au taquet au niveau de ça, bah, c'est sur le profil Facebook que ça se passe. Comment rentrer dans le groupe Facebook qui est fait exprès? Et ben c'est très simple, vous avez juste à m'envoyer un message en privé sur Facebook, justement sur le profil. Je dis bien le profil parce qu'il y a la page et la page j'y suis pas tout le temps. Sur le profil vous m'envoyez un petit message et justement je vous ajouterai au groupe. Là où vous pourrez jouer avec les gens qui sont dans le groupe aussi, c'est super sympa, vous pouvez faire des rencontres. Et jouer avec moi quand je vous le dis tout simplement, donc voilà. Faut pas s'attendre à ce que le groupe soit tout le temps super actif. Je vais pas tout le temps posté dedans, mais dès que j'irai jouer, dès que j'aurai envie de jouer avec vous, bah, je mettrai un petit message dedans. Et puis j'espère que vous voir nombreux tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour vous que je le fais, donc je serai vous, j'en profiterai. On me le dit souvent, je suis quelqu'un d'accessible et c'est ce que je veux vous faire ressentir, c'est ce que je veux faire voir de ma personne tout simplement en tant que youtubeur entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Je suis juste quelqu'un qui partage ce que j'aime et qui veut avoir des retours des gens qui le suivent, tout simplement. Mais, pourquoi je suis monté là? On va se baisser un petit peu, essayer de mater la vue. Franchement, la vue est super jolie, mais je vais descendre de là parce que je vais péter la gueule. Ok, ça va, il descend tout seul. La vue à la première personne est quand même assez chaude à gérer au début, mais après ça passe super bien. Bah, on peut pas se mettre comme ça. Non, il y a le bras qui cache. Donc voilà pour ce qui est des réseaux sociaux. Donc je répète... Twitter, c'est là où je suis le plus actif, si vous voulez me parler, je réponds tout le temps aux notifs. Facebook aussi, le profil du moins. Si vous voulez discuter en chat directement, bah je suis là aussi. Et pour le groupe, c'est là-bas que ça se passe, juste à m'envoyer un petit message, que vous soyez joueur PC ou joueur Xbox One, il n'y a pas de souci. Et puis d'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur la Xbox One, j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, mais c'est possible, mon gamertag est dans la description. Je fais carrément la démarche de vous réajouter après pour ceux qui m'ajoutent, pour vraiment que vous m'ayez dans votre liste d'amis pour de vrai. Donc il n'y a pas de souci avec ça les potes. En tout cas, c'est super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je kiffe ça. Je suis au début du jeu, je vais me faire plaisir. Enfin, je vais le refaire en entier, tout simplement, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur 360 et j'ai vraiment envie de le refaire. Donc, voilà. Pourquoi je sors mon gun? On va pas sortir mon gun. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur GTA V, surtout en multijoueur quand il y aura les potes qui seront de retour sur Xbox One avec moi, les gars de la FRG. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires dès maintenant ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur Advanced Warfare et sur GTA. Et si je peux, j'essaierai de vous faire plaisir un maximum. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un max de like pour cette vidéo. C'était une vidéo courte, mais vite fait pour vous montrer GTA et vous causer 2-3 petits trucs. C'était Dartnex, je vous dis à plus tout le monde. Salut!